Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est très spéciale et inédite. J'emmène Jules, mon copain, au ski alors qu'il déteste ça. Il déteste tous les synonymes du ski. Il n'aime pas la neige, il n'aime pas la montagne, il n'aime pas le froid, il n'aime pas le ski, il n'aime même pas le fromage. Donc vraiment c'est son pire cauchemar. Et avec Samsung on a décidé de lui faire la surprise parce que c'est pas possible de ne pas aimer le ski. Genre je peux pas... c'est pas possible de ne pas aimer le ski. On part demain matin à 7h. Donc là je lui ai emmené dans un espèce de traquenard où je lui ai dit emmène-moi chez Ikea en chic-chac. Je vais juste acheter une housse de couette. Et en fait je l'emmène chez Decathlon, on va lui acheter des leggings, des gants, des casques, des chaufferettes. Donc c'est parti, on va rejoindre Jules, on va lui faire la surprise. Et vous venez avec moi parce que j'ai pas envie de lui annoncer toute seule. Je suis très stressée parce que je vous jure, rien que de dire Jules et ski dans la même phrase, c'est lunaire. Ça ne... Donc voilà, c'est parti. On va aller annoncer à Jules qui part au ski demain matin. Il va péter un câble. Mais il a pas le choix. Ikea. 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 Viens, on rentre par là. Ikea. Moi, chez Decathlon. Moi, chez Decathlon. Parce qu'on va au ski demain matin. On va au ski demain matin. On va t'acheter des futales là. Ski, si tu vas au ski. Ça tu filmes hein. C'est une surprise, on va au ski. C'est quoi cette histoire, j'aime pas le ski moi. On va au ski demain matin. Mais si je vais t'acheter un futal sympa et tout là. Mais non, les futales en plus c'est hyper large et tout. Si c'est bien, t'inquiète, viens. Si viens. Je te jure c'est bien. Mais tu sais que moi au ski c'est le seul truc que je fais, c'est ça. De quoi? Je mets sur les fesses et je glisse sur ça. Non, tu vas skier, je te jure. On a tout prévu. Non. Gants. Des sous-gants d'abord. Non, des gants. C'est bien, là. Imagine, tu tombes là. Non, t'achètes un top équipement parce que je te jure, tu vas apprendre à skier. Franchement, ça m'enchante pas des masses. Franchement, fais un sourire. Bah, c'est sympa, on voyage, mais il caille et tout là-bas. Tu crois que c'est pas assez froid déjà ici? Pourquoi tu fais semblant de boiter et tout? Non mais stop. Non mais KO, arrête de faire semblant de boiter. Attends, t'es en train de te chauffer pour un gilet pare-balles de ski là. La vérité. Ouais, c'est quoi, c'est mal, hein. Si tu tombes, tu te fais pas mal. Touche. Alors c'est une mousse de protection souple et composant stretch. C'est pas très confortable ça. C'est adapté à toutes les morphologies, la forme du gilet elle est... Non, franchement tu vas jamais, il y a aucun moment tu vas tomber à plat sur le dos. Franchement vaut mieux pas pour toi. Pour moi mon dos me fait déjà mal. Rôle d'accoutrement les polaires. Hein. Ouais, c'est un fashion faux pas complet. Hein. Ouais, c'est un FFP. Oh là là. Réel. C'est quoi les deux couleurs là? Vas-y, tu vois, tu commences. Toujours cette histoire de couleurs. Oui. Non, c'est bordeaux et bleu marine. Bravo. Ouais, par contre, en Sarthe ou Sarthe, on va quand même prendre une genouillère parce que Julie a des problèmes de ski. De genoux, pardon. Ouais. Moi, j'ai aussi des problèmes avec le ski. Ouais, t'as aussi des problèmes. T'as des problèmes tout court en vrai. Mission Décathlon. Bravo. On va pas du tout chez Ikea. Non. Ah, je crois que non, c'était une carotte. C'était juste pour t'emmener chez Decathlon. En plein après-midi comme ça, un jeudi. Très beau. Chasse-neige. Chasse-neige, vas-y. Oh là là. T'as l'air pas à l'aise, hein. Mais au moins t'es chic. Brr. Et la boule de neige. Pah. Aïe, wesh. Arrête de faire genre tu boites. Là, non mais arrête. Arrête de faire genre tu boites. Je rigole, c'est parce que j'ai ce truc là qui tape au genou. Hey, si tu veux pas m'enlever, tu as l'hypo là un peu là. Oh la vache. C'est à mon tour. Non. Je viens de commencer, t'as vu? Dès que je commence un truc, tu veux faire la même chose. Il colorie moi le morceau en marron. Marron. C'est quoi? C'est vert. C'est marron. C'est vert. C'est... Jules, comment on va faire quand je vais dire suis la piste verte? Non mais ça va, là. Je suis désolé. Rien à voir avec le marron là. Non. C'est vert. C'est totalement vert. Ça c'est vert comme les arbres, les feuilles. Allez, viens! Jules, juste pour info, il y a 67 virages dans la montée. 67 virages,
Combien de temps à peu près là? Une heure, deux heures. Quoi, pour monter là? Ouais. Petit room tour. Allez. Allez, room tour. Allez, room tour. Bah, allez, ça va aller vite en même temps. Bah ouais, franchement, c'est la dernière fois que vous allez voir la chambre comme ça parce que Jules est aussi bord. Pire que moi. Pire? Ouais. Franchement. Ok, bah la chambre quoi, le lit. Bah voilà, le lit, la kitchen, la salle de bain, puis voilà quoi. Et une magnifique vue sur Megève. Donc voilà, on a vu sur tout le village, toutes les pistes. Voilà, c'est la première fois que Jules va mettre des moon boots. Attends, mais c'est quoi la droite, la gauche là? Y a pas de droite et gauche, y a pas. Y a pas. Y a pas de droite et gauche. Genre t'enfiles juste. T'enfiles. Non, je te jure c'est vrai. T'es sérieux, tu savais pas? Ça y est, on est enfin arrivé, je suis trop contente, on est ici grâce à Samsung. Comme vous le savez, je suis ambassadrice Samsung depuis maintenant 2 ans, presque 3 ans. Et ils m'ont proposé d'emmener Jules en surprise au ski parce que quand je leur ai dit que Jules détestait le ski, ils étaient choqués. Donc Jules, je veux bien que tu viennes nous expliquer pourquoi tu n'aimes pas le ski. Genre, c'est quoi ton problème? Bah, il y a une partie psychologique et il y a une partie aussi physique, je pense qu'il fait partie du traumatisme. Et du coup, je vais me livrer un petit peu par rapport à ça. Donc c'était il y a 3 ans, je faisais un peu plus lourd, je faisais 98-100 kilos à l'époque, c'était l'époque où je faisais du rugby tout ça. Et donc je prends des cours de ski. Donc il y a une vingtaine de petits comme ça là, avec voilà, j'étais un peu plus. Là je commence à monter sur mes skis et tout. Pour s'arrêter il disait chasse-neige là, comme ça là, avec les genoux. Comment ouf, comme ça. Moi j'y arrivais pas et tout, c'était horrible. Et là, je descends comme ça, vraiment je vais. Tu déboules. Ah ouais. Comment ouf. Et là je vois un petit en bas de la piste. Vraiment, il est comme ça. Il bouge pas. Il veut pas bouger. Et là. Mais en même temps, moi, j'essaye quand même, tu vois, de m'arrêter en chasse-neige. Donc, je tombe un peu avant lui. Et là, on entorse du genou. Non. Ça va mieux? Ouais. Donc, voilà. Là, on va aller chercher les skis. On va aller manger. J'ai le nez rouge. Ouais, t'as le nez très rouge, là. Fais gaffe, tu vas t'attraper une angine à vue d'œil, là. Rentre vite à l'intérieur. Tu vois, tu commences. Bisous. On est avec les petits. Bisous, Muriel. Allez, bisous. Passe du bon temps à manger. Et pour cette mission ski, Samsung nous ont très bien équipés. On a pas mal de gadgets pour remplir cette mission. Donc pour Jules, on a le Galaxy S22 Ultra. Il est incroyable, il y a un stylet intégré, il fait des photos choquantes. Moi j'ai mon Z Flip de d'habitude que j'adore. On a aussi un Smart Tag pour repérer Jules au cas où il se perd, en cas d'urgence. Des Buds Pro, des Buds 2. Chacun sa Galaxy Watch 4 et une Galaxy Tab S8 Plus qu'on n'arrête pas de s'embrouiller pour utiliser. En vrai, t'es content, ça se voit. Ouais, en vrai, ça va. Ça va mieux. Mais franchement, t'es pas content de la surprise. Voilà. À Décathlon, là, on commence comme ça. Là. Allez, bref. Allez, vas-y, on y va. Alors, ça, vraiment, c'est mon angoisse. Là, je vois les gens descendre et tout. Un peu comme un ouf, là. T'as envie de chouiner, là? Ah, j'ai envie de chouiner. Hein. Mission ski. Bah, enfin, on n'a pas encore skié. Mission louage de ski. Location, on dit. Louage. Oh là là, je sens qu'il retourne sa veste là. Non, non. C'est charmé. Non. Non. Sérieux là? Ah, j'aime bien. T'aimes la fondue là? J'aime la fondue. J'aime la fondue. Après une bonne fondue, une bonne nuit de sommeil. Après j'ai pas non plus kiffé la fondue. Bah pourquoi tu fais... Bah... Bonne nuit. À demain. Oh la vache. Oh la la. Ça va Jules? Les gars, là on arrive au moment où Jules va apprendre à tourner. Et je crois qu'il est en train de kiffer. Trop fort. Wow. Allez, on y va. Hop là. Oh, si on le bien là. C'est d'une douceur monumentale. Hein? Je t'ai collé à moi là. Mais je t'ai même pas approché. Si t'étais à côté de moi. Pas du tout. Est-ce que tu
Gem, hein. Ouais. Vous bossez ici? Ouais, je suis mono à l'ESF de Gem. Mais non, à Gem. À Gem, ouais, je suis mono, je fais la saison. Ah bon? Ouais, je donne des cours au piu-piu. Ok, voilà, ça va. Bon, j'ai oh, jamais vu. J'ai 7 ans d'expérience quand même sur la station. 7 ans? Ouais, 7 ans. Pas possible. Pourquoi? Moi, bon, 8 ans. Toi, 8 ans? 8 ans. Ah ouais. Mais je t'ai jamais vu. Non, tu t'appelles... Non, t'as pas de... Non. Ah, vous êtes déçus, hein, y a pas eu beaucoup de chutes, là. Hein. Ah, t'as dit à ça, hein. Ouais. Tu cherches le mec super beau gosse en tenue rouge que t'avais skié tout à l'heure. C'est moi. Qu'est-ce qu'il est? Bah. Maintenant que tu sais skier, on s'achèterait pas un petit chalet là? Ouais. En plus, on a eu les conseils de Jean-Claude qui nous a dit qu'il fallait acheter sud-ouest. Sud-ouest, ouais. Pour que le matin on soit au soleil. Le matin, non, le matin tôt à Londres. Ouais, vu qu'on skie le matin. Hein. Ouais, et après ça se lève doucement sur la terrasse. Ouais. Et le soir pour l'apéro. Apéro, super. Hein, super, hein. C'est top, hein. Ouais, du coup on s'est fait plein de copains à Mjeb. C'est une petite famille, Mjeb. Ouais, on est une petite famille, hein, tous. Hein. Brigitte. Ouais. Brigitte, sors l'apéro. On s'est fait un espèce de festin. Va. Je montre. Ouais, monte, vas-y, fais un haul. Je vais me pisser dessus. Vas-y, on mission, cramez-moi, fais gaffe. Ah, voilà. Par contre, parmi tout le supermarché, t'as choisi les pires biscuits. Hein. La vérité. C'est vrai que ça. On a fait l'erreur de s'allonger. Oh. On s'est endormi pendant 2 heures. Là, je viens de me réveiller, je suis sur planète Mars. On va aller manger et ensuite on va dormir parce que demain, Jean-Claude, il revient à 8h. Raconte ta journée de ski. Je pense que... Les images parlent d'elles-mêmes. Ouais, et je pense qu'il faut qu'on se pose un peu pour que j'explore un peu plus le sujet là. Comment ça? Parce qu'on est sur le livre. Ah ouais, t'as besoin d'en parler? Ouais. Okay. Bon bah quand Jules aura fini sa skincare routine de 3h, je pourrais vous raconter sa journée quoi. Deux secondes. C'est vraiment le pacha là, il est en peignoir, comme un ouf. Voilà, je suis en mode pacha là. Pacha, définition. Homme qui aime faire ses aises et qui se fait servir par son entourage. Mener une vie de pacha. C'est le personnage de Jules. Jules, son surnom c'est le pacha. Donc il y a des petits moments où voilà, il ressort un peu ses travers de pacha. Il n'aime pas être en galère. Le pacha aime, voilà. Il aime être tranquille, il aime son peignoir. Et regardez le nouveau téléphone de Pacha. C'est le Samsung Galaxy S22 Ultra. Pour encore me demander la couleur de la coque. Ouais. Ouais, instant, c'est quoi la couleur? Devine. Mais moi, devine, moi je suis pas d'alto. Bah devine, mais qu'est-ce que t'en sais? J'en sais que t'es pas d'alto, moi. Comment ça? Ouais, comment ça? Je l'admets, j'ai passé une très belle matinée. Franchement, vraiment, je m'y attendais pas, hein. J'étais stressé. Petit déj, la balance, ouais, j'avais mal au ventre, j'étais pas bien. Et franchement, c'est bien passé. Au début, j'avais un peu peur parce que Jean-Claude il commence à me faire faire des trucs. Je suis sur un ski avec un pied, je dois glisser, après mêler deux. Et moi, je pensais qu'il allait me tenir toute la matinée. Je pensais même pas que j'allais tenir tout seul. Ouais, sur franchement, il y a des moments où vraiment t'as skié tout seul. Bon, t'as fait une seule chute. Ouais. Une seule. Et elle était minable. C'est, et vas-y. C'est la panique. Combien t'as fait alors de ouais, kilomètres et tout? On a calculé avec la watch. J'ai fait 8169 pas. J'ai fait 10,3 km et j'étais en moyenne à 13,5 km. Chambé. C'est-à-dire je suis lent quand même parce que 13,5 km ça ouais, c'est une trottinette électronique. Mais j'étais vraiment, par contre, je suis vraiment KO, c'est un truc de ouf. Ah putain. Ça va pas de m'électrocuter. Merci. Ah, le pacha. Attention. Bon, on a super bien mangé. On rentre parce que demain Jean-Claude il vient à 8h. Comme un ouf. 8h, demain j'y sais. Comme un ouf. Et là, Jules il est pas encore au courant, mais il va me prendre une super photo avec ma super doudoune. Quoi? T'as voulu sortir avec une influenceuse? Faut assumer. Prends-moi avec le tien, comme ça tu testes le mode nuit. T'as la carte? Non. Du petit kilo. Il est à l'intérieur le petit là? Ah oui, il a pas mangé. T'as pas la carte? J'ai pas la carte. Yeah, yeah. Toujours ça, là. Jean-Claude, qui c'est? Jean-Claude. Deuxième jour de ski pour le pacha. Le champion. Quand je suis sur les skis, on m'appelle le champion. Regarde pas tes
attends. Ces skis, ils sont vraiment l'un sur l'autre. Je fais de la patinoire. Alors là, on va descendre une petite pente. Et je crois que Julie, elle a l'impression que c'est le Mont Blanc. Voilà. Tu te penches en avant, penche-toi en avant. Bravo! En vrai, je peux mettre Jules sur une piste rouge. Il va croire qu'elle est verte. Elle est pas mal celle-là. Wow! 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 Putain, Jules, t'es trop fort! Wow! Ah! Bon là les gars, on est en mode motoneige. Et Jules, il est pas encore au courant que je vais l'humilier. Je vais te dépasser, mais tu vas... Vion. Ouais. Donc là, elle a dit qu'il fallait twerker sur la motoneige. Faut twerker sur la motoneige. Sur l'avant de la machine, d'accord, okay. Attendez les gars, on vient de rentrer, il est où le petit là? Le petit! Ah. Vraiment tout le portrait de son père. Hein. Ah ouais, il te ressemble hein. Putain, rabille-le là, rabille-le. Je tenue, je crois. Voilà mon petit, voilà au lit. Oh la vache! Le RERD à 18h. Chausse tes skis comme en ouf! Alors au début, tac tac. Brrr. Nettoyage. Hop, avant, check, 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 ouais. Rentre. Hop, clac, là. Hop là, hé! Hey. Regarde comment ça claque bien là. Brrr. Yeah! C'est ça, j'ai dit! Magnifique! Waouh! Jules vient de tomber. Laisse tomber, je vous raconte même pas. Il est tombé, et après il a voulu se lever, il est tombé, et après quand il a voulu se lever parce qu'il est tombé d'avoir tombé, il est retombé. On dirait deux garces, on se prend pour qui? Alors là on part sur un saut en parachute. Alors là on part sur un tour de parapente. Ah voilà. Le parasol. Là on va faire un peu de chien de traîneau. Là on va faire un... On va couper du bois. Là on va faire un feu de camp. Donc là en fait c'est pour notre week-end team building. Un brainstorming qui se passe dans les airs. Voilà exactement. Et tout ça en fait ça se passe en hélicoptère, en avion. C'est le principe de la semaine de 4 jours en fait. Voilà donc on monte en avion. C'est un brainstorming. C'est un brainstorming. Ouais pas mal. Mes potes souvent ils envoient des comptes Instagram. Genre le compte Instagram de avion de chasse. Et ils envoient ça en DM à des meufs et ils disent: ah excuse-moi je t'ai vu sur cette page. Ils ont dit que tu pouvais pas le faire. C'est de swag. Yeah, yeah. Hélicoptère. 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 Wesh. Les gens ils te regardent là. J'ai le Covid. Y'a pas wesh. Ouais. Là je suis un stalagmite. Attends, y'en a qui tombent derrière d'ailleurs là. Oh là là. Oh, tu... oh la vache. Vas-y, vas-y, prends, prends. Oh. Mets-le sur ton menton. Mets-le sur ton menton. Fouini. Fouini babe. Eh les gars, ici il y a tous les moyens de locomotion. Mais voiture, avion, vélo. Le prix de l'essence à mon avis ça lui coûte un bras. Oh j'avoue l'essence, ben l'essence, ben. Oh, hop là. Donc on n'est pas au courant de grand chose, c'est quoi l'itinéraire exactement? L'itinéraire. Faut passer par où? Parce que ça bouge un peu sur la 6 là. Ouais. En Italie c'est charmé là.
Retour. Le gros problème, c'est qu'on est tous les deux bordéliques. Normalement, les gens bordéliques ils sortent qu'avec un maniaque. Nous, on est deux bordéliques, frère. Les gars, il y a un gros débat là. On a 1h30 avant d'aller au resto. Maya ne voulait pas faire de sieste et maintenant elle veut en faire une. Donc Maya, quelles sont les raisons pour lesquelles tu as changé d'avis et qui justifient que désormais on peut faire une sieste? Bah en fait le problème c'est que moi quand je fais une sieste, je peux pas me réveiller après. Après j'ai plus faim. Mais je suis trop fatiguée. Est-ce que si je te servais un petit coca zéro à 10€ du minibar, ça t'aiderait à y voir plus clair? Je pense que si tu me sers un coca du minibar à 10€, je pense que je vais plus voir flou que clair. Moi je vois clair d'ailleurs ce soir. Yeah. Mais si je fais pas une sieste, je vais m'ennuyer là, je vais faire quoi? Ok, donc on s'est mis d'accord. Non mais tu filmes comme un daron sur Facebook. Bon, on s'est mis d'accord non, pour mais faire. On me voit pas. Bon, on s'est donné 30 minutes pour faire une sieste, là on s'est mis d'accord. Donc rendez-vous dans 30 minutes. Franchement, dites-moi bonne chance pour le réveil parce que ça va être chaud. Pas pour me réveiller moi, hein, pour réveiller le truc là. C'est un jeu dangereux mais c'est un jeu qui me plaît. A tout de suite. Mayou. 30 minutes là, 35 même. Yeah. Sans problème, oh lolo. Je sais même pas si je me suis endormi. Mais si tu t'es endormi, justement c'est ça les bonnes siestes. C'est ce qu'on sent pas trop. Ouais, encore 5 minutes. Non, arrête avec 5 minutes là. 5 minutes et un bain. Non, un bain et tout de suite. Ouais. Alors là les gars, on mange un plat traditionnel de Megève. Le chef est venu de très loin. Très loin. Très loin. Très loin. Far away. Quoi? C'est comme ça qu'on dit très loin. Ah, j'ai cru que c'était une ville, Far away. Allez bébé, c'est le dernier jour de ski là. Yay. Allez. Allez. 5 minutes. Oh non, franchement, je peux plus me l'entendre cette histoire de 5 minutes là. Non, je vais mettre demain, je vais le mettre hier matin. Quoi? Et oui, c'est fini les petites pistes. Dernier jour. On est sur le terrain des grands. Et on est sur la piste bleue. Et c'est l'arrivée du champion du monde de ski de Megève. Habillé en rouge, nous avons Jules. Oh merde. Oh merde. Il a niqué le décor. Cher Jules, ça fait 4 jours qu'on a vécu des choses extraordinaires. T'es arrivé ici, tu ne maîtrisais rien du tout. T'es parti en 4 jours, t'as fait une progression zen. Et là pour ça, je te remets ce petit piou-piou d'honneur. C'est la première médaille de la progression de ski alpin. C'est les tout petits qui ont 3 ans et demi qui gagnent cette médaille. Je suis pas peu fier. Ah voilà comme wow. Ça. Waouh. Et là maintenant, c'est à toi de jouer. Prends ton envol, petit piou-piou. Ah là là, il a grandi si vite. Merci Marco. Merci Jean-Claude. Merci Max.